finalement. Ah, oh, c'était honte. Nico, c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais driver? Ah, j'attendais celle-là. Alors, le bon driver, il sort de chez lui, bon, il prend sa whip, il fouette, bon, ben, il passe le poteau, quoi. Le mauvais driver, bon, ben, il sort de chez lui, il prend sa whip, il fouette, mais c'est un mauvais driver, quoi. Ça n'a rien à voir, hein. Non, ça a absolument rien à voir, hein, mais quand t'es mauvais, de toute façon, tu le sens tout de suite, hein. Tu le sens tout de suite quand t'es mauvais, parce que t'as beau taper, hein, et ben, le cheval, il reste là, hein. Donc, moi je sais, hein. Moi je le sais, hein. Donc c'est pour ça, on va boire un coup, hein, Nico? Parce que toi, quand tu whips, ça renvoie quand même, non? Ah, bah en tant que driver, je sais pas, j'ai pas beaucoup de courses de gagner. De toute façon, là il est midi, il va peut-être falloir qu'on commence à travailler les chevaux, là. Bon, allez, on finit ça, puis on y va. Allez, tiens, il va falloir qu'on y aille. On s'en fout. Allez, Yann, tiens, cul sec, hein. C'est la dernière, dernière bouteille, y'en a plus, de toute façon, après. Y'en a plus, j'ai fini. Ah ouais, mais en ce moment on est en panne de personnel, alors justement j'en profite, tiens, tu tends la perche. Je cherche du monde pour débourrer les poulains et puis il me faudrait une personne pour les vieux chevaux parce que là ça commence à être la guerre. Puis à ce train-là, l'entraîneur il va pas tarder à faire une attaque cardiaque. Bon bah Buckingham pour dimanche, on attend un rachat total de sa part. La dernière fois dans le semi-classique, il est parti au galop, un petit peu moins de place que d'habitude dans les raquettes. Ces raquettes de 2100 à Vincennes sont assez étroites et pour des chevaux qui ont besoin de place ou partir un peu dans les dos, c'est un peu plus compliqué. Donc là 2007, une course fermée, voilà, on en attend un rachat, le cheval a travaillé ce matin, il était bien. Donc il n'y a plus qu'à, là j'ai plus rien à inventer jusqu'à dimanche. Il n'y a plus qu'à, il faut qu'il soit surtout sage à la volte. Après je pense qu'il est capable de faire un peu tout ce qu'on veut. Un homme averti en vaut deux, Mathieu, ce coup-là va prendre ses précautions? Ouais, bah, il lui avait déjà fait une blague quand il débutait monter à Vincennes. Je lui avais dit tu t'en méfies parce que il a la tête lourde et quand il part comme ça sans capuchonner, on ne le tient pas, quoi. Il part au galop. Alors la première fois il ne s'était pas méfié, il était parti au galop. La deuxième fois beaucoup plus prudent. Assuré d'échecs, en plus il lui a donné des super parcours, il lui a appris à courir, il en a gagné deux. Là pour le semi-classique, il s'était mis en confiance parce qu'il venait de gagner deux fois de suite. Je pense qu'il manquait un peu d'enraînement. Nous on a changé l'enraînement entre deux, là, qui respecte un petit peu plus. Et effectivement un homme averti en vaut deux, donc théoriquement. Puis au 2007, il devrait avoir plus de place, donc ça devrait rentrer dans l'ordre. La dernière fois tu l'as couru semi-classique parce que tu penses qu'il a le niveau ou parce que tu voulais le tester? Un peu les deux. Je pense franchement qu'il a le niveau, vu les deux victoires qu'il avait avant. Et puis on a besoin de le tester aussi. Et puis de toute façon, il venait de gagner deux fois. Donc des courses fermées, ça commence à se faire rare. Il y en a une dimanche. S'il la gagne, après c'est fini. Il n'y a plus de courses fermées. On est obligé de taper dans le haut niveau. Donc il va falloir ou qu'il franchisse un cap ou qu'on le castre et qu'on le mette au champ. Mais non, théoriquement, il est capable de franchir le palier. On va pas faire l'offense à Baggio du Châtelet de le comparer avec lui. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différence entre les deux? Ouais. Ouais, ouais. Déjà, c'est pas le même genre de chevaux et franchement, bon, j'ai vu des questions sur internet, quel est le meilleur cheval que j'avais entraîné. Jusque-là, je pense que c'est Baggio parce que je connais pas ses limites, justement. Donc, il faut quand même se souvenir qu'il est quand même invaincu au monté. Il a été disqualifié deux fois. Une fois, il est parti au galop dans le prix d'essai, des conneries, le grand écran dans la raquette, le drap sur la statue de Voisy, enfin tout pour le mettre à l'envers. Et une fois distancé après enquête, mais il passait le poteau vainqueur quand même. Donc il faut quand même se dire qu'il est invaincu, autre montée dans la régulière, quoi, je parle. Donc on ne connaît pas encore ses limites, quoi. C'est ça le truc.